Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Vie d'une maman passionnée de diamants. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente. Je vous avais dit que j'allais faire d'autres loisirs créatifs avec vous. Eh bien, cette fois-ci, j'ai fait un petit projet avec ma Cricote. Donc, on va faire ça ensemble. Il va y avoir une partie en accéléré. Une partie où ce que je vais parler. Donc, bref, ça va être un petit peu... voyons, j'allais dire broche à foin, mais vraiment pas broche à foin, là. Ça va être un peu de version accélérée, un petit peu de version ordinaire. Donc, je vais faire un projet avec ceci que j'avais reçu, que je vous avais montré dans un de mes derniers unboxing. Donc, c'est des trucs pour ranger mes fils de pointe-croix. Donc, on va faire un petit projet avec ça aujourd'hui. Donc voilà, je vous laisse avec une belle petite musique et une version un petit peu accélérée de ma préparation de projet sur mon ordi, de la découpe avec ma machine. Et puis on se retrouve après pour la pose de mes stickers de vinyle sur les petits rangements. Donc à tout de suite! Thank you.
Donc, j'espère que vous avez apprécié le petit moment de création avec ma super cricotte qui me permet de faire toutes sortes de projets. J'aime vraiment beaucoup ça. Et puis là, ben, on va faire la pause ensemble. Je crois pas qu'on va toute la faire. Je risque de la faire en accéléré, là, vraiment une partie parce que ça va être quand même long. Mais je voulais vous montrer comment que je fais. Donc voilà, on a nos chiffres qui sont découpés. Et puis moi, je vais redécouper l'excédent de vinyle juste ici. Donc, on y va. Essayez de ne pas découper ces chiffres, puis que vous me voyez travailler. Là, c'est la première fois que je fais ça en vidéo, donc ça risque d'être une petite adaptation. Je devrais être meilleure pour les prochaines fois. Ça, on n'a pas besoin de ça. Ok, comme ça. Et puis là, je voulais couper ligne par ligne. C'est un peu étonnant, ça roule. Donc, je vais juste donner une petite chance là. Ok. Donc, je vais couper entre les lignes sans couper mes chiffres, évidemment. Oups. Ok. Ça, on n'a pas besoin de ça. Ça va être plus facile pour moi après d'enlever l'excédent de vinyle. Là. Je vais vous montrer comment que je fais. Fait que ce que je vais faire comme ces trois-là avec vous. Ces trois rangées-là avec vous. Et ensuite, je vais terminer les autres en version accélérée. Et je vais vous montrer le résultat final à la fin de tout. Bon, fait qu'on va y aller avec les 1. Je vais vous montrer, là, j'utilise ce petit outil-là super pointu pour enlever l'excédent. Je vais vous pencher un peu, je crois. Oups. Attends un petit peu. Je tourne comme ça. Ok, je pense qu'on est bon comme ça. Donc, c'est parti. Regardez, puis là, j'enlève ce bout-là. Et puis, ce qui est déjà coupé, dans le fond, reste sur le papier blanc. Voilà. Et puis là, avec mon bout pointu, je vais vous avancer et je vais vous montrer comment je fais. Voilà. Donc, je viens enlever... Oups, je vous accroche. Le milieu. C'est vraiment tout petit, là. Le milieu. Donc, 1 à 10, c'est fait. Et puis, je vais faire la même chose avec les autres. Oups. Je vais me reculer un petit peu. Là. Je vais vous reculer comme au début. Bon, voilà.
des fois, ouais, c'est ça. Pour ça, il faut être très alerte parce que des fois, ça reste un petit peu collé. Faut quand même y aller délicatement. Là. Et voilà. Je vais enlever l'intérieur de celui-là aussi. Voilà. Il nous reste notre dernière rangée. Oups. En fait, ce que je vais faire jusqu'à 20. Désolée, là, je change un petit peu tout le temps de plan de match, là, mais... Parce que sur mes, mes trucs, j'ai 20 petits rangements, finalement. Je vais en faire un. Comme ça. Donc, on a nos chiffres jusqu'à 20. Et puis là, je vais utiliser du Mac Tac. C'est les trucs de papier collant transparent là, pour recouvrir les livres. Là, où, moi, je prends celui du Dolo. Je trouve que c'est lui qui va le mieux. Sincèrement, j'ai essayé celui de la marque Ricoh, j'en ai essayé un autre, mais je reviens tout le temps à lui du Dolo. Donc, tant mieux pour mon portefeuille. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un petit bout. Je vais en couper un petit bout. Assez gros pour... Que ça cache tout mon chiffre, donc j'ai mon petit bout de coupé. Là, je vais prendre ma barre, ma première ligne. Je vais couper entre les chiffres. Ça demande quand même assez de concentration, donc c'est dur pour moi de parler en même temps. Mais peut-être qu'avec le temps, c'est ça, on pourrait se faire... des moments de jasette de cette façon-là aussi. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Bon, où est mon 1? Mon 1 est ici. Donc, je vais enlever le bout collant. Comme ça, j'ai mon papier transparent ici. Je viens le placer sur mon 1. Là, j'utilise le petit grattoir comme ça, mais sérieux, une carte de crédit ou n'importe quelle carte rigide, ça fait l'affaire. Oups! Désolée pour l'accrochage. Là, vous avez bougé de l'angle de ma caméra. Mais bon, attendez un peu. Donc, c'est ça, j'ai passé ça dessus. Et puis là, regardez, le vinyle va rester collé sur mon papier collant. Donc, maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de venir ici à poser mon 1. Je pèse. Des fois, ça demande un petit peu d'amour, donc je réutilise ma carte. Et puis là, ben, je retire le papier et le vinyle reste collé sur mon objet. Et puis le papier collant, je le réutilise tout le temps une couple de fois là, avant de le changer. Je vais vous reculer un petit peu pour que vous voyez bien. Ouais, c'est ça. Avant de le changer. Donc voilà, comme ça, je gratte. J'enlève et je peux venir... Puis, je suis quelqu'un de très minutieuse, donc j'aime ça quand c'est droit, donc c'est pour ça que c'est plus long un peu. Regardez comme là, il veut pas décoller. Fait qu'on va lui donner un petit peu d'amour avec le petit grattoir. Puis, ensuite, ça finit toujours
Faire décoller. Oups. Voyons, faut faire exprès. Voilà. Comme ça. Le numéro 2. On va aller chercher le 3. Et on va continuer comme ça. Oups. Je me sens encore mis. C'est fou comment j'arrête pas de vous accrocher. Le 3. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en version accélérée jusqu'à la fin de cette plaquette-là et je vais vous montrer le résultat final. Le résultat final, c'est ça, à la fin de l'accéléré. Donc, à tout de suite! Donc voilà, j'ai terminé de poser mes vinyles et voici ce que ça donne. J'adore ça, vraiment. Là. Je ne regrette pas du tout, j'ai fait jusqu'à 60. Donc pour 3 petits rangements. Donc on a jusqu'à 60 juste ici. Parce que ben, pour l'instant, je fais juste un projet à la fois. Donc je voyais pas l'intérêt de... d'en faire plus que ça, plus que 60 couleurs. Si jamais j'ai un projet qui dépasse 60, ben il m'en reste encore ici pas identifié que je pourrais faire. Sinon, ceux-ci, je vais les garder pour d'autres projets futurs. Peut-être pour un futur tirage, je dis ça, je dis rien. En tout cas,
Donc, et voilà, c'était mon petit projet Cricut de vinyle pour identifier mes rangements à fil de points de croix. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Et puis, dites-moi dans les commentaires, c'est ça. J'aime ça vous lire, là, si vous avez aimé ça, ce petit projet-là. Ben, ça fait différent du Diamond Painting, mais bon, je vous avais dit que j'ai plusieurs passions dans la vie. Et puis, ça, c'en est une aussi. Donc, voilà. On se retrouve prochainement pour plein d'autres vidéos. Bye bye!